Hey hop tout le monde, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à l'ascension dans League of Legends. Pourquoi l'ascension? Parce que quoi? Voyons. Que se passe-t-il? Eh bien parce que j'avais envie. MDR. C'est tout si simple que ça. J'espère que... Ouais, si je fais ça comme ça, ouais, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'ascension et pourquoi j'ai pris Sivir Princesse Guerrière, eh bien, je vais vous faire écouter la musique qui raconte l'histoire. L'histoire de Shuri. Tu pars des ambitions malsaines aussi. Désolé. Voilà. Ouais, ça enregistre toujours, heureusement. Je vais vous parler de règne. Tu pars des ambitions malsaines, aussi prospères et rayonnants qu'éphémères et teintées de haine. Azir, notre puissant empereur, a été abusé. Sa soif de pouvoir l'a poussé à violer un rituel sacré. Rituel que seuls deux êtres, les plus sages de nos maîtres, avaient effectué selon le souhait de nos ancêtres. Mais devant la puissance du disque solaire, les chuchotements de son mage n'ont pu que lui plaire. C'est là que nous vîmes s'effondrer notre bel empire. Xerath effectua l'ascension, Azir se fit détruire. À courir les gardiens, à miser faire pour vaincre l'immortel. Renekton la tira dans le tombeau pour qu'on l'y scelle. Il était seul à être de taille. Et Nasus ne pensait plus jamais revoir ses écailles. Le cœur lourd avec le mage fou allié, il l'enferma. Cet événement signe la chute de Shurima. Dans le désert, oh, de Shurima, la li la la. Dans le désert, oh, les légendes parlent d'un tombeau. Dans le désert, oh, de Shurima, oh. Dans le désert, oh, oh, où sommeillent d'antiques héros. Malgré les années, la ville ne tomba pas dans l'oubli. Sa légende attira l'obscur Nox jusqu'ici. Cassiopée a fut envoyée découvrir ses décombres. Elle engagea une mercenaire pour la guider dans l'ombre. Mais elle ne choisit pas Sivir par un heureux hasard. Fascinée par sa lame qui semblait chargée d'histoire. Cinq jours passés à errer sous une chaleur inhumaine. À fouiller le désert à la recherche de ruines anciennes. Jusqu'à ce que leur peine se transforme en veine. Et quand elles atteignent une tombe souterraine, par un grand escalier. Ouais, je suis obligé de faire ça parce que sinon je crois que je suis trop lagué en fait. La Sivir fut trahie et laissée pour mort dans son sang. Et la Noxienne libéra deux êtres déments. La statue s'éveilla et la punit pour son exploit. Qui fut de raviver la chute de Shurima. En espérant que vous, ça ne bug pas. Dans le désert, oh, de Shurima, la lila. Allez, donc je dois acheter mes items. Je vais acheter ça. Dans le désert, ah, donc ils ont... Ils sont amusés à faire une map spéciale. Ce que Sivir ignorait, c'est qu'elle descendait d'un homme. Ce grand empereur qui causa la chute de son monde. La magie de son sang qui s'écoulait dans la terre. Fire de son ancêtre comme un être d'âme et de chair. Quand il vit sa descendante blessée, il la mena à l'oasis de l'aube où à son tour il la sauva. Et c'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il pouvait reconstruire sa puissante cité d'autrefois. Il effectua l'ascension et il reprit les armes. Du sable qui émergeait tous les soldats de sa garde. Et il se mit en quête de retrouver sa gloire passée sous le soleil. Non, je suis mort. Pourquoi tant de haine? Je lag. Attendez. Voulant se venger de Seraphico, il lui fera payer la chute de Shurima. Bon. Je vous dis, c'est rare quand je joue Sivir. Non, je vais me faire tuer. C'est un Shaco AP. Mais oui, bien sûr. À quel moment tu joues à Shaco AP, wesh? Bah ouais. Par contre, non, je vais enlever les autres musiques parce que voilà.
Oh. Mais venez m'aider, bande de con. Attendez, what? Pourquoi? What? Grec? Ah ouais. Ok. Donc c'est un jeu, on va dire, compliqué. Bah non, pas compliqué, il faut juste savoir jouer. Donc c'est Lux. Ah, Lux a effectué l'ascension. Oh mon empereur, l'empereur de Shurima, je te suis. Lol. Putain, mais de quoi je pourrais parler en vrai? Non. Je vais pas aller là-dedans parce que je suis très vieille. Coucou. Je vais juste prendre ça, moi. Ah. L'empereur et sa descendante, ça me dire. Ouais. Ouais. Ouais, on va peut-être gagner. Et pourtant. Oups. J'ai failli. Wow, 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 par contre, ça, ça peut. Pas bouge. Alors. Allez! Je veux cet item, s'il te plaît. Merde, putain. Ah, putain, j'ai appuyé sur le R. Fais chier. Attendez, c'est quoi c'est... Mais non, mais arrête. Pourquoi tout est en smartcast, wesh? Mais dis ça, j'aime pas le smartcast. Jeez. Oh, merde, j'ai pas pu activer mon heal, c'est très triste. Bon, maintenant, on va faire une vitesse d'attaque, on va faire ça, on va augmenter le A. Alors, 4. Attendez, j'ai juste un truc. Oui, ça tombe toujours, attendez. Hop. Je suis en mode... Allez. Donc voilà. Donc quand vous êtes comme ça, vous bénéficiez de mana infini. Non mais genre, quel moment? Et genre, il faut me protéger. Attendez. J'ai cherché du heal. C'est nice, nice team. Oh. Random.
Non, par contre, non, 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 dégage, salope. Merde! Elle m'a tué. Oups. Comment ça se fait qu'il l'a. Je savais pas qu'Azir pouvait mettre une. Un truc ici. Juste attendre 300. On va TP là. Et on va les tuer. Un petit mot sauvage. Ou pas. Peut-être pas les petits mots. Non, me tue pas, méchante. Bah, tu. Waouh. Je déteste quand il y a Team. Alors, on attend ou on attend pas, on attend, on attend, on attend. Bon, vous savez quoi, on va attendre, on va parler. Donc oui, ce jeu est cool, on va dire. Très cool. Enfin, ce mode de jeu, parce que c'est pas... Enfin, quoi que... Enfin... Ouais, bon, ce mode de jeu est très, très fun, on va dire. Enfin, si vous aimez ce genre de mode de jeu. Dans League of Legends. Faut que j'aille aider ma team. Faut que j'aille aider. Ce qui est bien avec ça, c'est que je vais avoir des morts évitées. De toute façon, il faut juste que je trouve quoi. Merde. Père. Bon, merci cordialement. Allez, salut. Je ne veux pas combattre Katarina. Merci cordialement. Allez, au revoir. Allez. Ah, je suis lucky. Ce moment, je me sens lucky. Ça c'est con parce que, enfin, non mais. Ouais, par contre, Akata qui se vide. Oh putain. Bon bah adieu. Je vais mourir. Nouveau fait. Alors. Ok, c'était quoi ces dégâts?
Ah bah, en fait, dans ma tête, vous voyez, je crois que j'ai fait une mort cérébrale là parce que j'ai pas compris ce qui m'a fait là en fait. Attendez, on va faire ça. Mais oui, c'est clair, on va faire ça. Comment les ruines? On va faire ça. Ouais, les gens, c'est tous des AP, hormis la veine, mais. La veine ne peut pas me faire autant de dégâts que ça. Bon, on AFK un petit peu. Ça va vite les montées de gold ici. Pas sur ce jeu. T'es mais reconnecte-toi, Lux, s'il te plaît. Cordialement. T'as les gens plus quoi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Non mais c'est god. Katarina dans ce jeu, c'est god. Ça, c'est trop pété Katarina. Mais nerfé Rita, qu'est-ce que tu fous, nerf ce champion, wesh. Après elle, le truc c'est qu'elle fait masse dégâts. Parce que mademoiselle la Trinité, on attend encore. Hein. Rien à foutre. Je vais faire une cimetière Mercure. Moi, pas comprendre pourquoi j'ai fait des bottes de célérité. Ouais, on attend ça. Donc, ma team se fait défoncer. Alors, le truc, c'est que c'est autant que ça doit être pété. Mais on en a qu'un. Et elle est morte. Voilà, je suis mort. C'est trop pété ce champion. Ah, report. Oups, ouais. Bon bah, il y a un petit report qui va tomber en fait. Les gens, pourquoi ce décode un jeu quoi. Puis, si vous jouez à... Hop. Allez, je te suis, ma Iloy. Toi, t'es pété. Je te suis. Ah bah. Ah, ok. Wouhou! Pourquoi j'ai pas... Je hais ma vie. Je suis parti. Résistance magique en mode belle couille. Vous imaginez, j'ai 109 de résistance magique alors que je suis enfin 102 alors que je suis pas un tank. Non mais allô quoi. Pas après. Ah ouais, mais ça va me mettre trop bien, putain. Ouais, ça va me mettre trop bien le... Allez, voilà. Moi, j'étais mort, chaque coup. Non, il n'y a pas de heal.
Please, une fois heal. Oh, ouais. Elle veut quoi? J'en ai marre. Je me fais tellement enculer. Sa mère. Ouais, si elle fait zonir, putain, ouais. Va te faire foutre, quoi. Enfin, t'aimes pas. Dans quel monde? Oh, est-ce ma gueule? Ah, oh, ouais. Par contre, mec, t'avais combien d'HP? Ah, oui, si à chaque fois dans le pas, je pouvais pas te faire foutre. Ah ouais, Bardo, ça fait des dégâts. Ça fait des sacrés gros dégâts. On va perdre les gens. Bon. Je pense que si c'est moi qui... les gens. Attends, j'ai déjà un run qui est à GG. Ok. Ouais, bon, en fait, non, là, je peux pas. Je peux pas solo. Avec sa maman, je peux pas. Mais... Putain, t'es gars, putain. Je hais Timo. Timo doit mourir. Mais on va être fair play, on va mettre un petit GG. Et voilà, c'est la fin de la game, c'est la fin de la partie. Je... Oh, on a perdu, mais ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave parce que... J'aime bien ce jeu. Enfin, je ne vais pas rager de ce jeu. Et donc voilà. Et bien voilà, c'est sur ce qu'on va clore ce jeu, cet épisode. Combien de dégâts ai-je fait? Alors, j'ai fait. Je crois que j'ai. Ah ouais. Power Spike, c'était Azirebrand. J'ai fait moins de dégâts de Léal. Un Liloy, mais c'est normal parce que ce champion est broken. Et donc voilà, enfin c'est ce qui va clore notre vidéo sur League of Legends. Bon, désolé, c'est la première fois que je fais une vidéo sur ce jeu, et donc j'ai un peu de mal, on va dire, avec ce jeu quand on, en vidéo quoi. Et donc voilà, enfin ceci va clore la vidéo, donc 25 minutes assez nickel. Ça tombe bien. Bon, j'espère que je vais pas me faire striker par YouTube à cause de la musique d'Exakill, mais c'est du free copyright, donc ça devrait aller. Et donc les gens, je vais vous dire tchuss, peace et love like you do. Et salut si tu regardes cette partie de la vidéo, c'est que la vidéo est terminée. Je te recommande de t'abonner, de partager la vidéo si elle t'a plu, de la liker, de ne pas oublier de la commenter si cela te fait plaisir. À gauche, vous verrez en like, donc c'est-à-dire une annotation à gauche
pour la vidéo précédente et à droite pour la prochaine vidéo. Et non, je ne vous spoilerai pas. Allez les gamers et gameuses, peace.